Et salut à tous, c'est Worky, et voilà, avant tout, excusez-moi pour cette petite inactivité qu'il y a eu sur la chaîne, parce que j'étais malade, vous foutez pas de ma gueule, c'est vrai, hein. La preuve... En image, putain, bon c'est dégueulasse, mais voilà. Enfin bref, je voulais vous dire, ça fait longtemps que c'est pas fait un petit malaise, vous trouvez pas? Bon, je vous cache pas que je vous en ai trouvé un assez hard, donc on va tout de suite voir ça, hop. C'est un film qui s'appelle Malaise, le film. Bon voilà, le titre parle de lui-même. Donc je vous jure franchement, c'est plutôt un bon malaise. Il était classé assez bien sur les par les journalistes et tout. Donc franchement, moi-même, je l'ai bien aimé. Donc on va se faire ça tout de suite. Bonjour mamie. Venez, venez les filles. Venez. Passez un petit peu plus bas. Oh. Vous nous amenez le soleil. Bah écoutez. Alors, hein, bonjour. Ça, c'est bonjour Damien. Voilà. Je vous présente Roxy. Ok, bon là vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Vous inquiétez pas, je suis là. Alors je vais juste commencer par vous énoncer les personnages, histoire que vous compreniez un peu mieux. Alors, on a d'abord Damien, berger, grand-père de Damien, grand-mère de Damien, mère de Damien, le mec il est avec toute sa famille. Ensuite Roxana, une fille roumaine que la famille a achetée pour Damien. Marguerite, une femme qui s'occupe de l'agence d'achat de femmes. Et elle... Bah, c'est une traductrice random. Et oui, j'ai bien dit achat de femme, car en fait, Damien, le fils, veut trouver une femme, une fille, enfin voilà, mais il n'en trouve tout simplement pas, pour des raisons que je ne connais pas. Du coup, la famille a contacté une agence qui fait venir des femmes, des filles dites des pays de l'Est, genre Roumanie, Estonie, enfin tu connais. Et ensuite qui les vend, voilà, à des familles, à des clients, quoi, oui, je vous fais pas un dessin. Hein. Effectivement, c'est assez ignoble, hein, dit comme ça. Après, il faut dire que ça arrange peut-être aussi les filles qui sont vendues, parce que, voilà, elles arrivent de Roumanie en France. Voilà, elles sont pas obligées, hein, celles qui ont voulu faire partie du truc. Voilà, elles viennent de Roumanie, elles arrivent en France, elles ont pas d'argent, pas de logement et tout, du coup ça leur permet d'être blanchies, nourries, logées et tout. Donc voilà, bon, c'est assez sale je trouve, mais si ça arrange les deux, bah... Bon voilà, c'était juste pour que vous compreniez mieux. On passe à la suite. Elle est mignonne, hein. Ah oui. Elle est simple, oui. Elle est naturelle. Oui, mais elle est bien, elle est simple, bien. Elle est bien. Elle est bien, ah oui. Damien, il fallait pas une fille trop sophistiquée, bien oui. Sûr. Mais Damien, tu dis rien, comment ça se fait? Il est un petit. Exprime-toi, mon garçon. T'as une jolie fille à côté de toi. Il faut rentrer un petit peu dans les jeux des séductions. Bah ouais, c'est sûr, parce que là, le jeu de séduction... Enfin, les filles qui regardent la vidéo, vous me direz, hein, mais je pense pas que ça... ce soit super efficace. Dania, Roxy, Dania, il te regarde avec beaucoup d'admiration. Ah oui. Oh bah là, c'est pas vraiment de l'admiration, hein, c'est plutôt... Bon voilà, là ce que vous avez vu, on va dire que c'était un petit peu l'introduction pour vous mettre en jambe, parce que là, ce que je vais vous montrer, écoutez bien, je pense que c'est la scène la plus malaisante que j'ai vue de toute ma vie. De toute ma vie, c'est la scène la plus malaisante. Donc je vais vous la mettre en intégralité pour pas gâcher ce moment, qui sera pour vous un très grand moment. Donc je vous laisse, bon courage à vous, essayez de pas tomber dans le coma. Et voilà, allez, c'est parti. Fromage? Tu veux du fromage? Non? Oui? Non. Elle n'a pas compris. Non, là, elle n'a pas compris, non. C'est rien. Chante une petite chanson. Oh là 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 là. Non, non, hein, c'est pour rire, hein. Oui.
Mercredi, on ira au marché de Bourainville. T'aimes bien aller au marché? Aller au marché, t'aimes bien? Oui. Ouais, pas bien saisi, peut-être. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas évident, hein. Bien. Oui. T'es content? Oui. Oui, oui. Elle te plaît? Oui. Elle va déjà donner un petit peu, un petit coup de main à la taille, tout ça, oui. Oui. Elle est belle fille? Oui. T'es content? T'es belle? Oui, ça, elle comprend, oui. 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 Elle est pour le mariage? T'es pour le mariage? Oui, oui. On va encore la laisser grandir un peu. Il faut aller tout doucement. Bien sûrement. Oui. Il ne va pas se marier dans 10 ans. Hein. Parce que nous... On vieillit, alors ils ne seront pas trop deux pour travailler. Pour, elle m'a dit qu'elle était catholique. Catholique, hein, oui. Oui. Elle est croyante. Croyante, catholique. Oui. Mmh. Putain, mais vous avez ressenti la puissance de ce malaise? Mais... Enfin, personne ne peut se sentir à l'aise devant cette vidéo. Enfin, tu peux pas être bien quand t'es obligé d'avoir un peu... Ça, bah, un malaise, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais imaginez si vous étiez à la place de la fille. Mais putain, elle a dû en faire des cauchemars toute sa vie, la pauvre. Bon, allez, on passe à la suite. Ça va? Ça va? Ça te plaît? Ça te plaît? Je te trouve jolie. Je te trouve jolie. Tu me plais. C'est un arbre, en effet. Oh putain, j'en peux plus de tous ces malaises. Je crois vraiment que je vais craquer. C'est vraiment chaud. Bon, ok, vous savez quoi, je m'octroie de bouffer un gâteau. Voilà, je suis désolé. Mais voilà, tu sais quoi, allez vous en chercher un vous aussi. Voilà, au moins on est comme ça. Prenez-en dans votre tiroir, je sais pas où, dans la cuisine. Ok, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Bon, on n'en a pas encore fini. Mais je peux aussi aimer. Allez. C'est une arnaque. Elle s'est offerte ce qu'on appelle des mariages blancs. Quelques centaines d'euros. Des Roumaines, des Bulgares, des gens comme ça. Et du coup, il y a un mariage qui se fait. Et puis la fille se meurt. Et bien, vous êtes obligé de donner une convention à vivre. Oui. Oui, mais bon, pas pour l'instant. Oui, à plus. Oui, d'accord, à plus, oui. Oui, d'accord, oui. Oui, à plus, oui. Bon, là, on a un ami de la famille qui les appelle parce que la mère de Damien les a mis au courant qu'ils faisaient du trafic de femmes.
qui les appelle pour dire que voilà, ne faites pas ça, ne faites pas du trafic de femmes, etc. Parce qu'une fois qu'ils se seront mariés, Damien et Roxana, ben voilà, Roxana, elle va se barrer, elle va divorcer, tu vois, normal, elle va pas passer sa vie avec ce bouseux, excusez-moi, mais enfin, voilà. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'après, ça les étonne quand ils entendent ça. Enfin, je sais pas, vous pensez quand même pas que la meuf allait non plus rester toute sa vie dans votre ferme pourrave à chier, non? Bon, là, on a une scène assez particulière, parce que Damien apprend que l'ami de sa famille a dit à la grand-mère qu'il fallait pas faire ça parce que Roxana allait se barrer. Du coup, il envisage, ne serait-ce qu'une seconde, que Roxana ne viendra finalement plus. Du coup, il fond en larmes et voilà, il pète un câble, il est enragé, il veut tuer sa mère et tout. Enfin, je vous laisse regarder. Il nous aide pour... Ouais, mais il veut avoir le numéro de l'agence aussi. Il veut avoir le numéro de l'agence. Hein. Pour quoi faire aussi? Ah ben oui, mais il y a raconté tout. Alors... Moi, je vais la massacrer plus tard. Calme-toi, il m'est marre aussi. Non, non. Mais si, il m'est marre. Pourquoi tu m'as marre? Il m'est marre de la vie, c'est tout. Non, 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 non. Non, ma chérie. Mais non, ma chérie, alors. Allez, allez, viens avec papy. Viens. Papy, c'est ton copain. Viens, viens. Mais il a tout raconté. Mais non. C'est ta mère qui a tout raconté? Mais oui, il a tout raconté. Non, t'attends, reste là, reste là. Elle là, qu'elle vienne ici. Viens ici, toi. Viens ici. Mais, ah non, il ne veut plus te voir. Il ne veut plus te voir. Hein. T'as peut-être tout raconté. Hein? Hein? Ah oui, il va te tuer, hein, pas sûr, hein. C'est fort contrarié que maman l'a raconté. C'est secret entre nous, ça. Hein? Mm. Ah oui, hein? ça ne regarde pas les gens. Hein? Après, effectivement, quand tu fais du trafic de femmes, vaut mieux pas le crier sur tous les toits. Mais bon... Bonjour, monsieur. Chauffeur, comme c'est que tu l'as jamais connu, tu veux. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Non. Ah, je me dis pas. Dans l'amitié du Nord, hein? Oui, mais c'est son... Parce qu'il dit, il se demande ce qu'elle va devenir. Oui, c'est ça. C'est oui. Ça qui le choque, oui. Perso, cette scène m'a fait assez pitié, hein. En même temps, le mec, il chiale et tout, enfin... Bref, du coup, pour la fin du DVD, eh bien, on apprend tout simplement que Roxana ne viendra plus. Parce que, bah, à part qu'elle viendra plus, voilà, c'est comme ça. Du coup, ça se finit assez tristement. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on en a fini avec ce petit film, franchement. Bon, du coup, je vous ai pas montré en intégralité, évidemment. Parce que si j'avais fait une vidéo de 1h30, vous auriez même pas regardé. Je sais pas quoi dire, hein. À vrai dire, je me sens un peu bizarre quand même après ce malaise. C'est quand même assez... Enfin, je me sens pas super en forme, quoi. Du coup, je pense qu'on va se quitter là. Il faudra un petit peu de temps avant le prochain malaise, je vous le dis quand même, parce que voilà, il faut quand même que je m'en remette. Après, voilà, faut quand même faire gaffe avec ces choses-là, faut pas en abuser, hein. C'est comme les gâteaux. Enfin bref. Ça fonctionne. Donc en attendant, je range celui-là. Et puis sinon, moi je vous dis bye tout le monde. Voilà, profitez de la vie. Pourquoi je fais ça moi? C'était Warky, je vous dis bye tout le monde. Et à la prochaine!